Lui, on doit l'envoyer à Zaroko. On doit l'envoyer à Zaroko. Oui, si, si, si. Il va passer son temps à Zaroko. Mon cas, il est sérieux. La puissance de Jésus. Libère. Au nom de Jésus. Merci pour la manifestation de ton pouvoir. Merci pour la manifestation de son pouvoir. Merci Jésus. Merci. Vous vous occupez de ça. Comme c'est un cas. Vous lisez dans Marc. Dans Marc, le chapitre 6. Marc, chapitre 6, le verset 13. Clément, t'assois là. Marc, chapitre 6, le verset 13. Ils chassaient beaucoup de démons. Et ils soignaient d'huile beaucoup de malades. Ils soignaient d'huile beaucoup de malades. Et la guérissaient. Et la guérissaient. Amen. On suit ici. Je prends bien dans l'évangile de Marc. Allons-y. Ils chassaient beaucoup de démons. Et ils soignaient d'huile beaucoup de malades. Et la guérissaient. Amen. Quand nous lisons le verset 7. Alors il appelait les 12. Donc, Jésus a pris les 12 disciples. Il commença à les envoyer deux à deux. En leur donnant le pouvoir sur les esprits impurs. Amen. En leur donnant le pouvoir sur les esprits impurs. Verset 13. Ils chassaient beaucoup de démons. Jésus les envoyait là dans le pouvoir. Ils ont commencé à exercer leur ministère en chassant les démons. Ils soignaient d'huile beaucoup de malades. Mais ils avaient de l'huile qu'ils aspergeaient sur les malades. Et les guérissaient. Amen. Dans le cadre de la destruction de la sorcellerie, Dieu nous a donné une inspiration. À chaque homme de Dieu, il y a un rima. C'est-à-dire, Dieu, quand il veut aller avec toi, il te donne comment tu dois exercer ton ministère. Et ce qui caractérise le ministère des prophètes, c'est les actions prophétiques. Nous avons vu que dans la Bible, même Jésus, qui est lui, qui est la guérison, à un moment donné de son ministère, allons-y dans Jean le chapitre 9, pour bien expliquer pour que vous puissiez comprendre. Jean le chapitre 9, Jésus, c'est lui la guérison. Le chapitre 1, le verset 1. Jésus vit en passant un homme avec des naissances. Les disciples lui posaient cette question. Rabbi, Rabbi, qui a péché cet homme ou ses parents? Qui a péché cet homme? Pour qu'il soit né aveugle. Ou ses parents? Pour qu'il soit né aveugle. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Très bien. Il faut que je fasse, tandis qu'il les joue, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela. Écoutez très bien. Après avoir dit cela, il cracha à terre. Jésus même a craché à terre. Et fit de la boue. Il a fait de la boue. Avec sa salive. Sa salive. Puis il appliqua cette boue. Il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. C'est les yeux de l'aveugle. Il lui dit. Il lui dit. Va et lave-toi au réservoir. Lave-toi les réservoirs des silhouettes. Il y alla. Se lava et s'en retourna voyant clair. Est-ce que Jésus avait besoin de tout ça? De faire tout ça? Puisque la femme qui avait peur de sang touchait le vêtement de Jésus, elle a été guérie. Et moi, j'aime vraiment cette femme. Parce qu'elle a compris que Jésus est au-delà de ça. Lui-même est la guérison. Elle n'a pas pris un rendez-vous avec Jésus. Elle dit, c'est lui la guérison. Elle a touché le vêtement de Jésus. Elle a été guérie. C'est Jésus qui a eu le problème. Il dit, quelqu'un m'a touché. On dit, mais pourquoi? Il dit, une force est sortie de moi pour guérir. Donc, Jésus, c'est la guérison. Mais pourquoi cette fois-ci, il y a un cas de maladie? Au lieu d'exercer son ministère, au lieu de guérison, puisqu'il est la guérison, il cache comme un féticheur. Il prend la boue, il applique à ses yeux, il l'aveugle. Au lieu de le guérir aussitôt, il dit, va te laver. Et ce retour que le malade a été guéri, c'est une action prophétique. Dieu donne toujours une inspiration pour régler un problème. Ce que nous sommes en train de faire, ce qu'on appelle les actions prophétiques. L'huile, c'est le symbole de l'esprit dans l'Ancien Testament. Au temps des disciples de Jésus, Jésus même a recommandé ça aux disciples. Il a donné le pouvoir. Ils allaient avec de l'huile pour chasser les démons. Dans le cas de certaines maladies, quand vous lisez aussi dans Jacques, vous répétez dans Jacques, un des disciples de Jésus, un homme de prière, Jacques, c'est un homme de prière, il va nous parler encore de la prière, de l'onction d'huile. Dans d'autres communautés, on n'utilise pas, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas biblique. C'est ça le problème aujourd'hui. Parce que nos différentes dénominations sont basées sur les dogmes.
100%, c'est ça qui est comme notre boussole. Mais ce n'est pas parce qu'on ne fait pas chez vous que ce n'est pas biblique. Ce n'est pas parce qu'on ne fait pas chez vous qu'on ne doit pas le faire. Chez nous, en tant que chrétiens, c'est la Bible. C'est pour ça que je prends le temps de vous enseigner. Vous dites que ce qui sont des faits est puisé de la Bible. Ils ne peuvent pas s'en dehors de la Bible. Amen. C'est biblique, c'est pour ça que j'applique ça. C'est biblique. C'est pour ça qu'il y a d'autres qui ne sont pas efficaces dans leur ministère parce qu'ils s'arrêtent sur certaines choses. Il y a ce qu'on appelle le logos, la parole écrite. Il y a ce qu'on appelle le rhéma, la parole révélée. Jésus a marché sur les eaux, n'est-ce pas? Est-ce que toi, tu peux marcher sur la mer pour aller à Paris? Pourtant, tous ces croyants monteront les mêmes heures. Il faut que Dieu te parle. C'est parce que Dieu nous a parlé. Au moment où Dieu s'est révélé à moi, Dieu, j'ai vu Jésus-Christ m'a oint dans un rêve. Quand je me suis levé, tout mon matelas était plein d'huile. Plein d'huile. En réalité, plein d'huile. C'est depuis ça que j'ai commencé à utiliser de l'huile. Et partout où j'ai fait, ça marche. C'est un rhéma. C'est pour venir briser le poids. C'est vrai qu'on peut prier pour vous. Les gens peuvent prier pour vous. Mais il y a une action qui a besoin d'être menée. Qu'est-ce qui a été fait qui fait reculer le royaume des ténèbres? Dieu ne fait rien sans avoir posé un acte dans ta vie. C'est pour ça que la sortie du peuple d'Israël, du pays de l'Égypte, il y a une marque qu'il fallait avoir sur les portes. Sinon, l'ange de la mort a porté la mort. C'était le sang. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été déclaré sur ta vie? Qu'est-ce qui a été dit? C'est ça? Allons dans Jacques, le chapitre 5, le verset 14, écoutez très bien. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Quelqu'un parmi vous est-il malade? C'est une question qu'on pose. Il appelle l'ancien de l'église. Il appelle les responsables de l'église. Et que les anciens prient pour lui. Que les anciens prient pour lui. En loignant d'huile. En loignant d'huile. Cette fois-ci, nous arrivons encore. En loignant d'huile au nom du Seigneur. Jacques était l'un des disciples de Jésus. S'il reparle encore de ça, c'est que pendant son ministère avec Jésus-Christ, il a vu Jésus faire. Il dit, soyez mes imitateurs, comment j'imite Jésus. Il dit, priez pour lui en loyant d'huile seul, au nom du Seigneur. C'est pas la prière seulement, mais il faudrait qu'il la soit suivi dans une action, avec de l'huile. Écoutez. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Claire. Amen. Alléluia. Amen. Donc ça règle beaucoup de choses à la fois. Ça veut détruire toute base, toute présence satanique. Dès que l'huile touche vos têtes, c'est fini. Les données changent sur le plan spirituel. Amen. Amen. Les données changent. Quand vous lisez le psaume 89, vous allez comprendre le verset 21. Dieu va déclarer ça à David. Le psaume 89, le verset 21. J'ai trouvé David, mon serviteur. Il dit, j'ai trouvé David, mon serviteur. Le roi de mon huile sainte. Mon huile sainte. Ma main le soutiendra. Ma main le soutiendra. Et mon bras le fortifiera. Mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas. L'ennemi ne va plus le surprendre. Il a la méchant ne le premiera point. Le méchant ne va plus te surprendre à cause de l'action qui a été menée sur ta vie. J'écraserai devant lui la vaisselle. Et je frapperai ceux qui haïssent. Parce que quelque part, il n'y a pas eu quelque chose qui a été fait sur toi. Le fait de venir à l'église, gloire à Dieu. Le fait d'accepter Jésus, gloire à Dieu. Mais il ne suffit pas. Parce qu'on revient d'un monde. C'est vrai qu'on a accepté Jésus de donner la vie. C'est pour ça que Jésus a dit à Lazare, aux gens, il dit, déliez-le et laissez-le aller. Dieu te donne la vie et la vie éternelle. Mais il y a une réalité, soyez réaliste. Vous vivez une réalité, vous êtes possédé. Vous avez des liens. Vous sortez de la mort. Parce que le péché sort du monde, c'est la mort. Le monde, celui qui la vie, celui qui pêche, moi, quoi qu'il soit vivant. Donc vous revenez de la mort, mais avec les liens de la mort. Vous avez les liens encore sur vous. L'impression que ce qui arrive aux parents vous arrive. Vous traînez encore tout ça. Pourtant, Dieu doit mettre une différence entre vous et les païens. Ceci permettra aux gens de comprendre que vous avez un nouveau Dieu. Vous avez un autre Dieu. Mais on a l'impression que c'est la même vie que vous menez. Vous savez, il y a quelque chose qui va être fait à ton niveau. Amen. Amen. Nous devons être un témoignage. Si ce n'est pas le contraire, si c'est le contraire, cherchez à se faire délivrer. Il y a des gens qui vont à l'église, c'est vrai. Ils sont chrétiens, mais ils ne sont pas délivrés. Des liens. Ils tournent en rond. Le pasteur va beau prêcher des beaux messages. Et le possédé, il faut le délivrer. C'est pour ça que Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle, mais pour libérer les captifs. Les gens, ça limite à prêcher la parole. Il faut délivrer les gens. Après l'église, il y a des réalités dans les familles. Si quand Dieu ne se manifeste pas trop dans la vie d'un individu, sa foi prend un coup. Sa foi prend un coup. Par contre, quand Dieu se manifeste, la crainte grandit. Mais quand on est dans les liens, il est difficile d'aller très loin. Il y a beaucoup de personnes comme ça. On a vu Jésus-Christ dans la Bible qui a délivré une femme qui était même dans le temple, dans la synagogue, qui était possédée, elle était bossue. Il y a des gens qui sont en l'église, sont privés même de la gloire de Dieu. Quand tu les vois, la vie même, ça ne témoigne pas de la puissance de Dieu.
Il faut ces actions d'action pour libérer les personnes. Ça ne suffit pas à l'église. C'est vrai qu'on a la vie éternelle, c'est gratuit. Il y a des réalités, il faut que Dieu vous rentre en possession de votre bénédiction sur la terre. Et tant que les choses ne sont pas réglées, les liens de famille, ces blocages, ces petits trucs-là, il sera difficile. Parce que qu'est-ce qui a été fait? C'est comme le baptême, ça ne sauve pas. Hein. Bon, nous existe le baptême, c'est un acte prophétique. C'est une action prophétique, un engagement devant Dieu. Et ce que nous sommes en train de faire, le monde spirituel reconnaît que quelque chose a été fait un jour pour briser tout ça. Amen. Amen. Quelque chose a été fait pour briser tout ça. Tout ce que vous avez traîné depuis des années, ça va être brisé tout à l'heure. Voilà, ça va être brisé tout à l'heure. Et les données vont changer. Mais ce n'est pas brisé, c'est pour ça que ça continue d'agir. Et personne ne fait quelque chose. On pense que c'est normal. Non. Parce que le signe pour reconnaître qu'une personne est liée sous le mal, c'est la frustration. Tu connais tes qualités, c'est ce qu'il y a en toi. Tu n'arrives pas à avancer. Prouve déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Amen. Et quand lui tombera sur ta tête tout à l'heure, ça va changer les données sur le plan spirituel. C'est quand Jésus-Christ est sorti de l'eau qu'une voix s'est fait entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Il y a eu un acte qui a été posé sur Jésus-Christ. Ça peut être sorti de l'eau baptême. Et le diable, Dieu a parlé. Amen. Le diable n'a pas peur de toi. Pas parce que tu as accepté Jésus. Mais qu'est-ce qui a été fait sur toi pour qu'il ait peur de toi? Souvent que le diable a le droit, les derniers droits sur toi. Parce que les parents, les anciens, les parents t'ont vendu au diable. T'as donné ta vie à Jésus. Bon, ça ne suffit pas. Mais il faut que ce droit-là soit brisé. Pour ne pas que tu aies des problèmes. Il y a des choses que tu dois régler rapidement. Par contre, il y a d'autres personnes. Il y a des choses. Pour d'autres, on règle ça rapidement. Mais là, à nouveau, c'est difficile. Ça veut dire qu'il y a des démons. Par exemple, les gens qui ont doré les cailloux. Dans la famille, d'autres ont doré les cailloux. Mais si tu vas avoir cet esprit dans ta vie. Ceux qui ont doré les rivières, tu dois aller voir. Et c'est ça notre problème aujourd'hui. C'est clair qu'on chasse les démons. Les parents sont allés chercher les démons. Les démons n'en donneront plus. Ils vont mettre une malédiction dans la famille qui peut être la stérilité. Et tu penses que c'est naturel? Non, c'est un démon puisqu'il ne l'adore plus. C'est un deal entre la famille où il a donné des enfants, soi-disant, puisque c'est Dieu qui donne les enfants. Donc il y a quelque chose. Vous retournez à lui, il bloque. Donc il y a des esprits comme ça des familles qui vous suivent. Mais bien que vous soyez chrétien, ça vous suit. C'est pour ça que par moment, vous avez des cauchemars, c'est pas normal. Vous avez des présences, c'est pas normal. Des cauchemars, les gens qui vous poussent. Par contre, il y a d'autres qui sont nus en rêve. Ça prouve qu'il y a la pauvreté. Vous voyez souvent dans l'eau, c'est des difficultés. C'est des difficultés. Vous allez traverser des difficultés. Ça veut dire qu'il y a une présence satanique dans ta vie. Amen. Amen. C'est des choses que vous devez régler. On a toujours besoin d'être délivré de quelque chose. Tu te dis, ah non, j'ai pas besoin de délivrance. Si, tu as besoin de délivrance. Tu as besoin d'être livré d'un lien. Et tu sais pas, à la naissance. Et lorsqu'on naît, celui qui va enterrer notre place natale, c'est celui-là qui conduit notre destinée. Vous ne savez pas ce qu'ils ont dit? Ils sont allés enterrer le place natale, vous ne savez pas ce qu'ils ont dit? Ça peut être la mémé, vous ne savez pas ce qu'elle a dit? Parce qu'on parle avant d'enterrer. Nos parents, ils savent, connaissent la puissance de la parole, et c'est sous la terre, en enterrant, vous ne savez pas ce qu'ils ont dit? Mais le cordon, quand ça tombe, les autres m'attachent, vous ne savez pas ce qu'ils disent? Ils font des pratiques. Même les nouveaux-nés, quand ils viennent, d'autres, on les laisse à os de gorille. Moi, j'ai vu ça. Vous ne savez pas quelle cérémonie qu'ils ont fait autour de ça. Parce qu'en Afrique, c'est ça. Quand un enfant naît, on fait des baptêmes, des cérémonies, on le lave, c'est ce qu'on dit. Vous ne savez pas quelles paroles. Et tout ça, là, ça vous traînez ça dans l'avouement marche chrétienne. Et ça vous rattrape plus tard. Ça vous fait comme si vous étiez dans une prison. Et vous ne comprenez pas vos vies. Au lieu d'avancer, les choses compliquées. Tout est compliqué. Au moment où tu veux vraiment t'en sortir, c'est en ce moment-là que tu réalises que tu es dans une prison. Et tout se ferme autour de toi. C'est pour ça que c'est important que cette action soit menée sur vos vies. Amen. Parce qu'en prononçant la parole, on brise. Les liens se brisent immédiatement. Ça se brise. Et le diable reconnaît que quelque chose a été fait. Puisque rien n'a été fait, la maladie va venir s'installer. C'est un signe de malédiction. Un signe de malédiction. Les choses bizarres viendront jusqu'à toi. Amen. Mais qu'est-ce qui a été fait pour que tout ça soit brisé? C'est ça. Nous allons faire tout à l'heure. Amen. Amen. Mettez bon jeu. Vous avez ouvert la bouche. Viens, Esprit de Dieu. Après, il faut que toi. Viens, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin. Viens, Esprit. Esprit de Dieu, nous avons besoin.
avons besoin de toi. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu, viens, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de Dieu, viens, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Voilà. Ici, on appelle le secteur le mur de lamentation. Vous allez rester là pendant une heure du temps en train de parler seulement. Pour briser toute forme de blocage. Pour parler. J'ai telle difficulté. J'ai telle chose. Pendant une heure. Quand vous allez finir les une heure, on vous accompagnera quelque part pour exploser les bouteilles. C'est une action prophétique. On dit la fin de toutes ces difficultés. Voilà la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ. La vie est restituée au nom de Jésus-Christ. Je plonge ton âme dans le sang de l'agneau. Aucun sorcier n'a accès à ton âme. Au nom de Jésus. Je plonge mon esprit dans le sang de Jésus-Christ. À compter d'aujourd'hui, par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ, qu'aucun sorcier n'ait accès à ton âme. La puissance de Jésus-Christ maintenant demeure sur toi.
Que tous ceux qui vont vouloir s'élever contre toi rencontrent la main de Dieu. Que tes ennemis deviennent les ennemis de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends témoin le ciel et la terre. Tous ceux qui sont ligués contre toi, qu'ils tombent. Au nom de Jésus. Je ramène la mort dans le camp de tous ceux qui sont. Au nom de Jésus-Christ. La mort retourne dans leur camp. Au nom de Jésus. La pauvreté retourne dans leur camp. Au nom de Jésus. La misère retourne dans leur camp. Au nom de Jésus. Jésus. Tu es déclaré un homme oint consacré. La Bible déclare que ne touchez pas mes oints. Celui qui te touchera rencontrera Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Ce monsieur est déclaré consacré à Dieu. Ne touchez plus à son âme, son esprit, à tout son être. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame la victoire de Jésus sur la mort. Amen. Je t'ouvre maintenant les portes de la bénédiction. Lorsque tu quitteras la Côte d'Ivoire pour la France, deviens donc prospère. Amen. Tout ce que tu toucheras prospérera au nom de Jésus. Amen. Domine sur toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Sois prospère, sois béni. Au nom de Jésus. Pour venir investir là où tu as envie d'investir. Amen. Que ce qui était bloqué soit débloqué. Au nom de Jésus. Sois un millionnaire en euros. Au nom de Jésus. Sois un multimilliardaire. Au nom de Jésus. Proclame la grâce de Dieu sur ta vie. Amen. Sois prospère. Amen. Que ton foyer soit béni. Amen. Que tes enfants soient prospères, intelligents. Amen. Que ta femme soit une femme soumise sage. Amen. Et que ton foyer soit béni. Amen. Sois un homme prospère. Que rien ne te manque. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Lève ton pied. Ton pied droit, c'est où? Oui, c'est ça. Et tout ce que tu vas toucher, partout où tu vas marcher, que le bonheur et la grâce soient pour toi. Au nom de Jésus. Le bonheur et la grâce accompagneront tous les jours. Au nom de Jésus. Tu vas faire la bouteille. Gloire à tout à l'heure, notre Jésus. Venez.